fais des trucs un peu malsains. Je mène une vie d'assassin à éliminer sans pitié les Templiers. Salut les gamers, comment êtes-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed avec Monsieur Maurice. Alors. Tu veux bien me dire ce qui le rend aussi nerveux? L'échéance s'approche. Une semaine. 6 jours maintenant. Quelle échéance? Je ne peux rien dire de plus. Ben voyons. Un groupe de soi-disant scientifiques me retient en otage. Et m'oblige à passer toute la journée dans cette foutue machine. Sans me dire pourquoi. Et je devrais pas me poser de questions? Non mais tu veux pas non plus que je te dise merci parce que je suis toujours en vie? Faut quand même pas pousser! Mets-toi à ma place! Que veux-tu que je te dise? Je sais pas. Tu pourrais commencer par me donner des réponses? Impossible. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux comme ça. Mieux pour qui? Pour tous les deux. Attends. J'ai une question à laquelle tu devrais pouvoir répondre. Laquelle? Pourquoi les gens qui sont là-dedans parlent comme s'ils venaient du futur? Du futur? Enfin, je veux dire du futur pour eux, pour nous, du présent. Dire ces gens qui vivaient en terre sainte et qui parlent notre langue dans l'animus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. L'animus traduit tout ce qui lui paraît vital dans un langage plus moderne. Attends-toi à quelques anachronismes. Je pourrais rendre tout ça plus authentique, mais... La philologie comparée, tu connais? La quoi? Je sais pas. Bon, oublie ça. Dis-moi plus sur Abstergo. Qu'est-ce qu'il magouille ici? À part retenir les gens comme moi prisonniers. Abstergo est l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde. Il travaille essentiellement sur les antidépresseurs. Tous les détails sont sur cet ordinateur, là-bas. Alors, pourquoi je suis ici, si ce n'est pas pour tester un nouveau médicament? Je suis plutôt occupée. Je vois, l'Animus n'a rien d'un programme de recherche officiel, c'est ça? Tu n'as jamais vu leur spot publicitaire? Oh. Et en plus, elle a le sens de l'humour. Desmond, je suis désolée, mais j'ai du travail. Je te l'ai déjà dit, tu peux consulter cet ordinateur. Nos activités s'étendent à des domaines très variés, comme celui des télécommunications. C'est le retour de l'autre con. Non. Tu n'es pas fatigué? Non, c'est l'ouverture de ma porte. Ça veut dire va te reposer, d'accord. Bande de... Excuse-moi, j'ai du travail. Ouais, ça, allez. Gardez-moi ce dehors. Ce dehors lumineux. Où on voit rien, on voit pas le sol, on voit pas le ciel, que des grandes tours. Ah, il est pas sur son PC. Bah tiens, attends, je vais y aller. Vas-y, vas-y, monte. Ouais, vas-tu quoi? Oh l'autre, il peut pas. Oh, vas-y. Je peux pas fouiller son PC. Bon, écoute, vas-y, va te faire voir. Vas-y, quel PC? Ton PC là, toi, c'est ça? Messagerie Abstergo, Lucie, reçu. Warren Vidic, administration information sensible, Warren Vidic. Envoyer 0, supprimer 0. Alors, Warren Vidic. Rien, retourner travailler, on a des détails. Des délais, pardon, à tenir. Pas pourquoi signer vos messages, le nom de l'exploitateur apparaît en haut. PS, pourquoi signer vos messages, l'exploitateur apparaît en haut. Envoyé le 3 septembre de Lucie à Warren. Vous parliez de finir comme elle est là tout à l'heure. Que voulez-vous dire? Lucie. Rien, retournez travailler. On a des dés à tenir. D'accord, ok. Ici. Nous vous rappelons qu'il est interdit aux employés d'Abstern Industries de parler de la stratégie de l'entreprise, des décisions prises et des projets en cours. Afin d'éviter tout litige, nous portons à votre atteinte la section 2.15 de votre contrat de travail. Vous reconnaissez qu'Abstergo a consacré... du temps, des efforts et des dépenses au développement de l'information confidentielle et que les dites informations confidentielles donnent à Abstergo un avantage dans son secteur en termes de compétitivité. Vous reconnaissez que toute violation du présent accord par vous-même causera des torts irréparables à Abstergo, dont la portée sera difficile à déterminer, et que des réparations financières ne suffiront pas à y remédier. En conséquence, vous reconnaissez
qu'en cas de violation du présent accord Abstergo sera autorisé à demander une injonction légale ou tout autre recours équitable qu'un tribunal jugera approprié en plus des réparations qui pourront être exigées. Pour toute information, n'hésitez pas à contacter le responsable des ressources humaines. Nous vous remercions par avance de ne pas déroger à cette règle. Ok. Et enfin, le troisième. Warren, j'ai retrouvé votre stylo clé d'accès sur le parking une nouvelle fois. Vous devriez le garder dans votre poche au lieu de la laisser pendre à votre manteau. Évitez d'égarer vos affaires, Warren. Vous imaginez si la sécurité l'avait trouvé et nous aurait confiné pendant au moins un jour pour modifier tous les codes d'accès des ordinateurs. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Super, laissez-le sur mon bureau. Ne vous occupez pas de mes affaires. Concentrez-vous sur l'animus. Merci. Et on est tout. D'accord. Je peux dire autre chose par rapport à ces messages-là? Tu n'es pas fatigué? Non, elle veut pas. D'accord. Est-ce qu'il a... Non, il a pas laissé son manteau. Merde, fais chier. Je peux pas courir, j'aimerais bien courir en vrai. Toujours des murs, des machins. Là y a rien, là-bas c'est leur chambre, mais j'ai pas accès. Bon, donc il faut que j'aille me reposer. Ok, et ben on va se reposer. Oui, les murs. Attends, ça va pas être en rouge. Parfait, ça part en rouge. Ouais. Bon, on va se reposer. Qu'est-ce que c'est? Allons-y, monsieur Miles. Le temps presse. J'ai pas le temps de lire ce qui était marqué. C'était marqué quoi, 3 jours après? Ok, je sais pas. J'aurai ça sans doute au rediff. Bon, on va y aller, on a rien d'autre à faire de toute façon. Lucie? Oh, ne vous inquiétez pas, elle sera bientôt là. Dites, pourquoi vous faites tout ça? Qu'est-ce que vous espérez au final? Vous regardez la télévision? Vous lisez les journaux? Non, ça ne m'intéresse pas. Alors j'irai à l'essentiel. Le monde est un beau gâchis. C'en est pathétique. Vous en avez fait vous-même l'expérience. 1000 ans se sont écoulés depuis la mort de votre ancêtre. Et pourtant, notre société est toujours aussi barbare, toujours aussi stupide. Et où voulez-vous en venir? On peut y mettre de l'ordre, monsieur Miles. C'est à cela que nous travaillons. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Vous essayez de me faire croire que vous nous préparez des lendemains meilleurs? Oui, et c'est exactement ce que nous faisons. L'humanité est en quête de sens. Les hommes veulent savoir ce qu'ils font en ce bas monde. Eh bien, nous allons leur fournir une réponse. Quand chacun aura trouvé un sens à son existence, ira beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Tous les conflits cesseront? N'est-ce pas à cela qu'aspiraient les assassins? La paix en toutes choses? Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un assassin. D'accord. Je ne vois toujours pas ce que je viens faire là-dedans. Vous le saurez bien assez tôt, monsieur Miles. Bien assez tôt. Ou peut-être pas. Peu importe. Tout ce qui compte, c'est que vous le trouviez. Que je trouve quoi? Désolé, je suis en retard. On s'y remet? Appelez, allez-y. Vas-y, fils de poulpe. Ah, vas-y, laisse-moi venir, je vais te frapper. Je vais te casser la gueule. Vas-y, je vais te casser la gueule. Laisse-moi venir. Tu veux pas que je vienne, vas-y. Je vais te casser la figure. Moi non plus, je vais te casser la figure. Non, je me lance pas, moi je vais te casser la figure. T'as, vas-y, viens, je suis troulé. Allez, je vais t'embrasser, toi. Oh, putain.
Ouais. Interagir, non, tu veux pas interagir? Ok. Oh. Ça c'est fini, ça c'est fini. On va attaquer la séquence 3, 4, Quand tu veux, 5, il te suffit de 6. sélectionner le souvenir que tu veux revenir. Ok, bon, pour le moment, on a un sang complet, c'est bon. Pour le moment. Quand l'animus vous indique qu'un garde informé vous observe, dissimulez-vous. Le moindre écart de conduite risquerait d'attirer son attention. Bien comporté, Untaïr. Je suis sûr que c'est le premier succès d'une très longue série. Tamir semblait bien vous connaître. Selon lui, la portée de mes actes me dépasse. La portée d'un acte seul est difficile à saisir. Il faut le voir dans son contexte global. Alors, on peut en comprendre les conséquences. Il y aurait donc des choses que j'ignore. Altaïr, c'est parce que tu en savais trop que tu as échoué autrefois. Si je te cache certaines informations, c'est afin de m'assurer que tu ne commettras pas la même erreur. Je vois. Non, tu ne vois pas. Et tant que tu n'auras pas retenu la leçon, il en sera ainsi. Pourtant, tu as fait preuve d'un certain talent. Tu as mérité de gravir un échelon et de récupérer une partie de ton équipement. Maintenant, rejoins Hak ou Jérusalem. Il y a dans ces deux villes des hommes qui réclament ton attention. Les chefs de cellule t'expliqueront ce qu'ils attendent de toi. Ah, le petit couteau. Nouvelle arme, lame courte. Riposte mortelle, vous pouvez entraîner dans la cour. Bah, c'est ce qu'on va y faire. Ouais, je vais m'entraîner à la nouvelle compétence. RT. Oh putain, ça fait plaisir d'avoir ça. Oh, enfin, le contre-attaque. Ah, oh, enfin, je l'ai. Direction vers le royaume. Alors c'est parti. Il y a un chevaux, il n'y a pas de chevaux, non. Est-ce que je peux... Non, je crois que je peux pas grimper là-dessus. Non, je peux pas grimper là-dessus. Ça aurait été bien quand même que je puisse grimper. Échelle, vas-y, prends l'échelle. Hop. C'est un allié ça? Bon, c'est un allié. Ok. Mon allié aussi. Voilà. Bon, des alliés, tout va bien. Un allié, ça me va. Ouais, peut-être pas. On va peut-être faire le tour.
Ne pas sauter comme ça comme un ouf. Les méchants, les gentils. Ah, il y a un drapeau là-bas. Yo. Ok. Allez, un cheval blanc. Hein. S'il n'y a pas de drapeau là. Apparemment pas de drapeau. D'accord. Et bah, on va commencer par ce point d'observe. Puis on va descendre et je pense qu'on va aller vers Acre. Si on a le temps, on verra bien. Des alliés, ça c'est bon. Je vais avancer à personne d'autre. Il y a des gens ou des choses par là.
Ah, il y a un bonhomme là-bas. Voilà. A plus. Nous, on va par là. On va par là, on va par là. Hop, un en moins. Ah, comment ça fait plaisir. Et de deux. T'es mort. Tu souffres? Tu souffres plus. Ah, ça fait du bien d'avoir riposte. Ah, punaise. Ok. Oh, bah tiens, ça tombe très bien. Comme quoi. Ah. Tu veux pas, non? Attends. Faut que je descende. Voilà. Hop. Bien. Ça tombe très bien, toi. Hop. Est-ce qu'il y en a un autre dans le coin ou pas? Apparemment pas bien. Ah, pas voulu. Dommage. Alors toi du coup de t'attaquer. T'es mort en premier, voilà. T'es mort. T'es mort. T'es mort. Quelqu'un d'autre? Personne? C'est vrai? Toi t'es mort. C'était quoi en français? Un assassin, c'est ça? Personne. Ah, il y a un drapeau là. Hop. Ah, parfait. Si, il y en a encore un là. Voilà. Il y en a encore un ou pas? Non, il y en a plus. J'ai fait tout le tour? Bon. On fait ce point d'observation et on arrête. Et on est bon. On est bon.
pas de drapeau.